I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything. Donc là, on met les légumes à cuire. Oui. Et donc, c'est pour quelle recette? Pour la crépinette de rouget barbé. D'accord. Façon bouillabaisse, enfin avec bouillabaisse, voilà. C'est ça? Et c'est donc, ça. La bouillabaisse, c'est ça? C'est une soupe c'est de poisson? C'est une soupe de poisson, voilà. Comment tu l'as faite, ta soupe? La soupe de poisson, le commencement, on fait suer les légumes. Tous les légumes un peu provençaux. Et... Il y a la tomate, il y a le fenouil, la carotte. Après, on va jeter les poissons de roche dedans. Mmh. Les plus gros, on va les vider. Les tout petits, c'est de la friture. On peut les laisser entiers. Hein. Ils ont mangé que du plancton. Mmh. Une fois qu'ils sont légèrement rôtis, on va déglacer avec un trait de pastis, une pointe de concentré de tomate, un peu d'épices, genre safran, une pointe de curry, et on couvre d'eau. D'accord. Et la soupe de poisson, elle est cuite lorsque les légumes sont cuits. Voilà. Donc ça, c'est quelques badianes aussi. Ah d'accord. Et hein, donc ça, c'est la référence. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est la carotte. C'est que dès que je vois que ma carotte est cuite, c'est bon, ma soupe est prête. C'est que la soupe est cuite, voilà. Voilà. Donc c'est bon, là, pour ça. Là, on a cuit des pommes de terre aux épices. D'accord. Un peu de curry, un peu d'épices à paella. Le riz à paella est un peu jaune, il y a un peu d'épices, du safran, c'est un mélange. Ça fait le même principe avec les pommes de terre. C'est le même principe qu'avec les pommes de terre. Et les légumes, tu vas les mettre où? Ça sert à quoi? On va farcir les rougets avec les légumes. Donc c'est la petite surprise à l'intérieur du rouget. Voilà. On va remettre les légumes ici, là, le temps qu'on passe la soupe. D'accord. Donc je mets les légumes là. Voilà. Et moi, on va passer la soupe. Et puis on va passer la soupe. On va passer la soupe de poisson. Donc là, tu la passes carrément dans ton... Attention que je ne te brûle pas. Non, vas-y. Moulin à pommes de terre. Et je vais tourner, tu veux que je tourne? Oui. Donc l'idée, c'est de vraiment tout mouliner pour se récupérer tout ce goût de poisson qu'il y a. Voilà. Et le fait de le passer à la moulinette, on récupère que les chairs, les arômes, et toutes les arêtes, les peaux restent au-dessus. Ce qui est mieux que le passer au mixeur. Un coup dans l'autre sens. Voilà, on repasse. Là, c'est bon, je pense. C'est tout bon. Hop. Donc cette soupe, la bouillabaisse, elle sera au fond de l'assiette. Parfait. C'est ça, elle sera au fond de l'assiette. C'est ça. D'accord. Donc je la laisse au coin du feu. Sur le coin du feu. Je vais la mettre là. Tu peux la mettre là? Les légumes vont devenir tout tendres. Donc on va s'occuper du poisson. Oui. Je surveille les légumes et puis je te laisse lever le poisson. Donc le rouget. Et les beaux petits rougets. Mmh. On va juste les gratter un petit peu. D'accord. Ah oui, ok. Donc tu retires les écailles. Mais c'est vrai que c'est rare, c'est un poisson qu'on ne fait pas souvent. Pourquoi? Comment tu l'expliques? C'est un bon poisson. Les gens pensent qu'il est peut-être un peu fort en goût, mais il a du caractère, mais c'est très doux. Hein. Mmh. Tu vas pouvoir le constater en le goûtant, si on a le temps. Oh, bah oui, on va le goûter. Ah. Je prépare pas tout ça pour rien. Donc tu retires, tu comptes quoi, un rouget par personne, c'est ça? Oui, un rouget comme ça, de cette taille-là, c'est un plat. Hein. D'accord. Ouais. Et le poisson, tu le gardes entier? Comment tu vas faire? Tu vas quoi? Lever les filets,
On va le mettre en portefeuille. D'accord. Là, on va laisser les filets. Un peu le, dans le même principe que ma recette de maquereau. D'accord. Mmh. Ah oui, ok. T'aimes bien d'ailleurs, j'ai l'impression, couper les poissons et puis essayer de les garder au maximum. Oui. Ouais. Bah, ouais. C'est vrai que c'est visuel et autant conserver. Qu'est-ce qui fait que t'aimes autant le poisson? Comment t'expliques ça? Ouais, c'est des recettes à l'infini. Ouais, mais la viande aussi, t'as... Oui, mais on est plus proche de la nature, je pense. La pêche, il y a une sensation qui est là, qui est... rien à dire. Ouais, c'est un peu inexplicable, c'est le lien avec la nature, et puis c'est un produit que tu aimes, quoi. Voilà. On enlève les arêtes. Donc toi, au restaurant, quand tu y vas, tu prends... du poisson. C'est vrai? Oui. Je mange très peu de viande. Donc là, tu fais vraiment le même système. Après, il y aura nos petits légumes à l'intérieur, hein, c'est ça? Voilà, on va mettre la fondue de petits légumes qu'on a coupés en brunoise, mm-hmm. qu'on a fait réduire à l'huile d'olive, sel, poivre. Et ensuite? Et ensuite, pour maintenir le rouget en forme, on va l'enrober d'une crépinette, une toilette de porc. D'accord. Voilà. Et après, tu vas le rôtir. Le rôtir. Que ça soit bien doré. Bien doré, avec une petite soupe derrière. D'accord. C'est très bien. Et donc, la cuisson uniquement à la poêle? À la poêle et au four. On démarre à la poêle pour dorer. Et après, tu termines voilà, la on cuisson. Termine au four pour avoir une meilleure concentration du produit. D'accord. Voilà. Donc, tu le rinces. Écoute, moi, je pense qu'en plus, les légumes, là, c'est quasiment bon. Là. I don't mind the flowers and the trees. I don't mind the birds and I don't mind the bees. I don't mind the lovers and the love they make. For I'm leaving here today. Do I know where I'm going to? No. In the mountains sweep down to the sea. I heard the music, it's not moving me. And I will find no peace I fear, no peace I fear. For as far as I can see, she won't have no truck with me. On y va, on goûte? On goûte. Ah, c'est super, j'aime beaucoup le fait, tu sais, de retrouver comme ça le poisson entier dans l'assiette. Puis on a envie de le désarrêter, puis surprise, il n'y en a plus. Il n'y a pas besoin. Oui, ben la chair est très belle. Mmh. Là, tout de suite, on est en vacances au bord de la mer. Ah, c'est super, c'est vraiment très très bon. En plus, j'aime bien le fait de retrouver effectivement les petits légumes en surprise à l'intérieur et ta soupe. Parfait. C'est ce qui finit le plat. Mmh. C'est vraiment top. Top, top, top. Et pour le dessert, t'as prévu quoi? Des fraises. Une surprise. Une déclinaison autour des fraises. Ça marche. Allez, santé.